Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce flash d'information. Aujourd'hui, 8 mars 2022, est commémorée la Journée internationale des droits des femmes. À cette occasion, le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a invité les femmes à jouer pleinement leur rôle dans la perspective d'un Burkina nouveau, de paix, d'intégrité retrouvée et de développement. Le président du Faso a souhaité que le 8 mars soit célébré dans la sobriété, tout en ayant une pensée particulière aux milliers de femmes déplacées internes qui ont fui leur localité à cause du terrorisme. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes policières des Haut-Bassin ont été formées sur une meilleure éducation des enfants. Et cette formation qui s'est tenue aujourd'hui a été organisée par l'Association des fonctionnaires féminins de la police nationale du Burkina sous le thème La gestion des conflits et l'éducation psycho-affective et spirituelle de l'enfant. Selon la représentante de l'Association des fonctionnaires féminin de la police nationale du Burkina, la fuite de certaines responsabilités des parents peut conduire les enfants à rejoindre des groupes armés terroristes. Le mouvement des patriotes pour la cohésion sociale a, dans une déclaration, demandé la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kabore. Ce mouvement plaide à l'endroit des nouvelles autorités du pays pour le retour des exilés politiques. Et pour ce mouvement, il faut mettre en exergue l'intérêt supérieur de la nation, car pour eux, prôner le pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est la seule voie qui reste pour sauver le pays. Ce mouvement estime que la première mission du nouveau ministre de la Réconciliation, Yero Boly, est de faire le plaidoyer pour le retour des exilés politiques. Le parti politique PEDIS LAFIA a indiqué que dans le cadre de la mise en place de l'Assemblée législative de la transition, le MPSR a établi des critères sur lesquels les partis politiques sans distinction devraient s'inscrire pour la désignation de leurs représentants à cette institution. PEDIS LAFIA dit avoir été surpris de voir des partis comme le Rassemblement patriotique pour le développement, RPD, présidé par Luc Adolphe Thiaw lors de la rencontre le 2 février dernier avec le chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Les responsables de PEDIS LAFIA disent attirer l'attention que Luc Adolphe Thiaw, chef du dernier gouvernement de l'ancien président Blaise Compaoré, fait objet de poursuites judiciaires. PEDIS LAFIA estime que tout individu visé par des poursuites judiciaires devrait savoir faire profil bas et se mettre de côté pour permettre à la justice de statuer sur son cas. C'est tout pour ce flash d'information et je profite de l'occasion pour souhaiter une très bonne fête de la femme à toutes les femmes du monde entier et plus particulièrement aux femmes du Burkina Faso. Mais ne quittez pas car Soumaïla Rabo vous retrouve tout de suite pour le flash info à Amaury. Il pousse à Zabri, il pousse à Parbantiyira, Burkina Faso, Kanini, Andouni, Fan, Porentia, Parbalar, Mbonti, oui, Marsala, Lunam. Il hankin, Kibakoui, Saporad, Nan, Winganyama, Titenga, Torsova, Lieutenant, Colonel, Paul-Henri Sandaogo Damiba, Obmana, Kwera, Antes, Parba, Wotone, Winigameti, Bamakota, Men, Tobe, Ken, Tigran, Antiyi, Netarasa, Nantarse, Nevnis, Mbenang, Porwakar, Kanga, Aratin, Yeti, Parbning, Mbenang, Porentiyida, Obtarsa, Sobiele, la mane tigre en zemse, tia wakato pour la Burkina B. O winigam tia wakat parva n'europa nantase, ti Burkina Faso, na be Burkina Faso a yi la fi tengam, a yi tengninga, nanke lenzina ya rapora, la metin kentor, wotoni, tengator soba, ob kengator nti winigi, to be solzugu, na iti la fi lebron wa Burkina Faso.
police pour sa souli au mana tixigotoni nan comparba bangri en tourné zak pour un cam zambo au munika metibam tixi woto noa ya nail team police a fonctionnaire pour sa au bango na zanzar sa toto naiti la fizine de wotoni optique kwizugu in tembilgi wa zak pour un zabhan bébé ne na mana wana ti kama zorlo soma ti kama zorde yishoma nail ti obi Beneba Wotoni, association des fonctionnaires féminins de la police nationale à Bobo du Lasso, l'aptale Zamsra Wotoni, Ntase, police Porsan, Tanaï Sababo, Ti, Okamara Wakenge, Tansom Source, nous signe Tia, Pazan Soma Wanyinga, Lahon Watembas Wotono. Suluman Kwera, Unitibam Kotame Tobi, Tenga Torsop Kudar, Okma Christian Kabore, ya Mouvement des Patriotes pour la Cohésion Sociale, Omana Kwera, Otoni, Ntese, Tenga Tor, Ramba, Obtienga Tor, Ntimunigi, Titserdi, Neb Misba, Nan Kontabe, Sugli, Naiti Burkimbu, Agantaba, Mbeyi Ranking Tori, Obtien Lonkosame, Tineb Misba, Nzebemba, Tenga, Politique Zabinga, Omodre, Tobleberonwa, Otoni, Omunigamti, Ministre Pali, Nazak, Ministre Yeruboli, Bamen serdi yinen ninga nan lutore ti sougul le brinkien Burkimbu anitaba souka. Et nan ti basa ni pedise la fia parti wa ram kwera wuniga menti bame geso porin wa pre ministre ko debe yon lukadar fatia o observe ni yugun sou menge soba o pa serdi ndatin kien politika yel varvar oto ni bali luna luna wa sali bu korba pordo blame ndatin bu ni bu ning hemane octobre ki 2014 yumde ti sababo ti nebe ki ti ne pam sampora ti te rouz rosan men hombo ti insurrection populaire bam geso porin ya lingin di mama ta beyon lukadar tia o nga o watizi fevri ki rahman yibhan lore tiksing ni nga tenga tor soba hamane ni parti politik rahman ya renda top gomda ti ha mik ti ninka nga sob na ora tinkin asambli nasyonal pala ha di mam taras ko bam pedis la fi ora ma aya fore aya bu mam pazem se ne rara se ngli nye nyon komeng soba et pousi la barka gye son lek yela son o savanti vi wana lebon kon wakati di lem pam taba.